Arab is a liar. Liar? Where's the lie? Where's the truth? When it hasn't been spoken yet. These are Arabs who have betrayed the religion of their fathers. They follow a lunatic they call a prophet. Who's stronger now? Your master or this one god of yours? You could swear the slave was preaching. To this inhumanity has come a man whom God chose. And in that we believe. These letters from Muhammad, messenger of God, to the rulers of the world, call the world to Islam. Muhammad, messenger of God, who gave him this authority? God sent Muhammad as a mercy to mankind. We'll do now what we should have done before. Kill Muhammad. Ali, his cousin, lay there to die for him. Who are we fighting? They are led by greed. We are led by God. When you are dead, Hamza, I will cut your heart out. Taste your blood. These are the disciplines the Prophet puts upon you. You may not harm a woman, a child, or any old person. Strike only at those who have expelled you, who have stolen your rights and enriched themselves with your possessions. Réveillez-vous, ce ne sont pas ces pauvres bédouins du désert qui ont construit l'islam et ont écrit des exégèses et des dizaines d'ouvrages religieux et en même temps ont mobilisé des armées pour conquérir les empires byzantins et perses, mais ce sont les héritiers des deux empires, à la fois les Perses et les Arabes de culture perse, qui ont développé une nouvelle religion sur plusieurs décennies, et particulièrement au temps des Abbassides. Comment sommes-nous arrivés à l'ère Abbasside et particulièrement sous le règne de Al-Ma'moun, sous lequel a été rédigée une biographie d'un prophète arabe ayant vécu deux siècles auparavant. L'empire Omeyyade, qui avait pour capitale Damas, a duré un siècle et il a hérité de territoires de l'empire byzantin du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, aussi bien que des territoires de l'empire perse sassanide qui s'étendaient jusqu'en Asie centrale. Les califes omeyyades étaient très sévères avec les populations conquises et imposaient de force la langue arabe. Ils étaient originaires des Arabes du Khorasan, dont la capitale est Merv, Marwa, et tout comme leurs frères ennemis les Abbassides, ils descendaient des populations déplacées quelques siècles auparavant par les Perses sassanides, pour peupler des régions du nord de l'Empire et principalement dans la région connue par le nom du Khorasan. Les Omeyyades, devenus impopulaires dans ces régions, ont affronté plusieurs révoltes, dont celle guidée par Abu Muslim al-Khorasani dans le nord de l'Iran. Abu Muslim a remporté plusieurs victoires, notamment sur le gouverneur de l'importante cité de Merv, Marwa, qui est la capitale de la province du Khorasan. Abu Muslim était un farouche ennemi de l'arabisation de la Perse. Il était le fils d'un dignitaire zoroastre de la cité de Balkh. Balkh est la cité berceau du zoroastrisme et le lieu de naissance du prophète zoroastre appelé en grec Zarathoustra. Le zoroastrisme est la religion de l'empire sassanide perse d'Iran. Un bref aperçu historique sur la dynastie abbasside. En l'an 750, c'est l'ami d'Abu Muslim al-Khorasani, un arabo-perse qui devient le premier calife abbasside et qu'on appelait Abu al-Abbas al-Safah, c'est-à-dire Abu al-Abbas le sanguinaire, le boucher. Ce dernier tua toute la famille des Omeyyades, la dynastie qui régnait avant les Abbassides, et même les enfants. Il déterra même leurs cadavres et a profané leurs tombes. Il invita les survivants de la famille Omeyyade chez lui, prépara un déjeuner. Une fois au palais, il les mit en confiance.
Et à peine commençaient-ils à manger que les bourreaux du calife sortirent de toutes parts et les massacrèrent, et posèrent le déjeuner sur leurs cadavres couverts par un tapis. Aboul-Abbès, le sanguinaire, le premier calife abbasside, s'assit dessus et dit, en dégustant son repas, la célèbre phrase « Je n'ai jamais dégusté de ma vie un aussi délicieux repas ». Après la mort du premier calife abbasside, Aboul-Abbès Safer le sanguinaire, c'est son frère Abu Ja'far al-Mansour qui devient le second calife de la dynastie et ordonna la construction d'une nouvelle capitale qui va s'appeler Bagdad. Abu Ja'far al-Mansour, le second calife, ne portait pas dans son cœur Abu Muslim al-Khorasani. Et pour cause, Abu Muslim le révolutionnaire était très populaire dans le Khorasan et en Iran. Abu Muslim al-Khorasani avait envoyé ses condoléances à la mort du calife à Abu Ja'far al-Mansour, mais ne l'a pas félicité officiellement pour son accession au trône. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Abu Ja'far al-Mansour l'ayant mal admis et a considéré que ce geste était une preuve de plus que Abu Muslim ne reconnaissait pas Abu Ja'far en tant que calife abbasside. Abu Ja'far al-Mansour sentait que son trône était menacé. Il décida de se débarrasser des gouverneurs les plus populaires de l'Empire. Le nouveau calife craignit la rébellion de son oncle, Abdullah ibn Ali, qui était gouverneur de Syrie. Il demanda alors à Abu Muslim al-Khorasani de prendre la Syrie et faire prisonnier son oncle, Abdullah ibn Ali. Abu Ja'far al-Mansour emprisonna son oncle dans une géole individuelle, puis décida de l'éliminer. Il inonda sa cellule d'eau jusqu'à sa mort. Débarrassé de son oncle, le gouverneur de Syrie, il mit en confiance Abu Muslim al-Khorasani et l'invita à venir en Irak, où il l'assassina dans son palais, l'enroula dans un tapis et demande qu'on le jette dans le fleuve mésopotamien le Tigre, à Dejla. L'alliance des califes abbassides pour conquérir le pouvoir s'est construite avec leurs voisins du Khorasan, qui sont les bouddhistes et les zoroastriens de la province perse, et essentiellement la famille des Barmécides. Les Barmécides en arabe, c'est Al-Baramika, pluriel de Barmak ou Barmaki, qui signifie le grand prêtre gardien du temple. C'est une famille qui est originaire de la cité de Balkh. Balkh, qui est un grand centre bouddhiste et plus tard zoroastrien, c'est le lieu de naissance du zoroastrisme. On dit aussi que c'est la cité où est né Zarathoustra, le prophète fondateur du zoroastrisme. C'est aussi et en même temps la cité qui est où est né le révolutionnaire perse Abu Muslim al-Khorasani. Un homme appelé un descendant des Barmécides, Khalid ibn Barmak, leur grand-père, était le premier vizir, c'est-à-dire ministre du premier calife abbasside Aboul-Abbès Safer le sanguinaire. Son fils Yahya a été responsable de l'éducation de Haroun al-Rachid plus tard, et les enfants de Yahya ont été élevés avec le calife Haroun al-Rachid depuis leur tendre enfance, notamment Ja'far et Fadl. Yahya, le Barmécide al-Barmaki, a pu, grâce à son intelligence et sa notoriété, conserver le trône du califat en faveur de Haroun al-Rachid contre son frère al-Hadi. Les Barmécides, frères de lait d'Haroun al-Rachid, notamment Fadl et Ja'far, avec leur père Yahya, ont le mérite que le califat ait connu une longue période de stabilité, de développement économique et culturel. Les populations du califat attribuer cette prospérité plus aux Barmécides, les Barmaki, qu'au calife abbasside lui-même. Le pèlerinage à la Mecque sous la forme actuelle se développa à leur époque pour concurrencer le pèlerinage à Jérusalem. Ils feront de la Mecque une reproduction de la cité zoroastrienne de Balkh, au point que Yahya al-Barmaki proposa à Haroun al-Rachid d'allumer une flamme éternelle comme dans le temple de Balakh à l'intérieur de la Kaaba. Ce que, dit-on, le calife Haroun al-Rachid a refusé, mais le plus probable est que cette croyance a été abandonnée plus tard avec le développement de l'exégèse islamique durant le 9e siècle. Nous pouvons à ce jour trouver les traces du bouddhisme et du zoroastrisme dans le pèlerinage musulman. Ces traces qui sont spécifiques à l'islam et ressemblent plus au culte bouddhiste et zoroastrien, sans aucun lien avec les habitudes des pèlerins juifs et chrétiens
de tradition abrahamique. En effet, la Kaaba est la représentation du temple cubique de la cité de Balkh. Regardez les similitudes entre les lieux de pèlerinage bouddhistes et zoroastriens avec ceux de l'islam. L'intérieur de la Kaaba, par exemple, avec l'intérieur du temple zoroastrien de la flamme éternelle. Le soleil sur chaque porte de la Kaaba est un emblème du prophète zoroastrien appelé l'apôtre du soleil. Cet emblème est également celui de la dynastie perse et se trouve sur tous les drapeaux successifs de l'Iran. La reproduction du lingam de Shiva que les musulmans ont changé plus tard et dont l'appellation est devenue la stèle de Satan. Une autre habitude, le port d'un tissu blanc non cousu par les pèlerins, le rasage du crâne lors du pèlerinage, l'habillage du temple de la Kaaba d'une robe brodée qui change chaque année comme la Kaaba zoroastrienne de Balkh. Les couleurs de la robe changent chaque année, mais avec les Abbassides, ils ont décidé d'envelopper la Kaaba de la Mecque avec la couleur de l'emblème du califat, c'est-à-dire le noir brodé en fil d'or. Remarquez que sur les drapeaux abbassides, il n'est pas mentionné le nom de Mohammed, mais juste le nom d'Allah. Après une guerre civile entre les deux frères, fils d'Haroun et Rachid, qui s'appelaient Al-Amin et Al-Ma'moun, c'est enfin Al-Ma'moun, dont la mère est perse, qui a conquis le trône des Abbassides. Ce dernier, très ouvert aux autres croyances, prit parti du courant mu'tazilite, c'est-à-dire le courant qui croyait que le Coran était une œuvre humaine. Il donna la liberté aux scribes de toute tendance, et c'est ainsi qu'apparut Ibn Hisham qui écrivit la biographie d'un personnage au nom de Mohammed qui vécut 200 ans plus tôt dans la cité éloignée en plein désert qui serait la Mecque, où il aurait reçu une révélation à l'âge de 40 ans alors qu'il était dans une grotte dans le désert. La question que doit se poser n'importe quel chercheur est tout d'abord pourquoi durant 2 siècles après la mort du supposé prophète Mekwa, aucun ouvrage n'a mentionné son nom et sa prophétie. Aucune tombe ne porte son nom, ni aucun édifice religieux où a été gravé son nom, qui datait de son époque. Durant le siècle qui suivit sa mort, nous ne trouvons aucune biographie, aucun exégète qui a parlé de sa prophétie. Aucun arabe n'a écrit sur Mahomet. Tous les exégètes ont apparu avec la dynastie abbasside et sont tous originaires d'Asie centrale et sont de culture perse zoroastrienne. Ce ne sont pas donc ces pauvres bédouins dispersés dans tout le grand désert d'Arabie qui ont vu naître l'islam et ont écrit des dizaines d'ouvrages à propos de cette nouvelle religion, mais ce sont bien ces arabo-perses du Khorasan issus d'une civilisation plus avancée et héritiers des deux empires byzantins et perses qui ont compilé le Coran, rédigé les exégèses et les interprétations, qui ont inventé les hadiths et les chaînes de transmission au fur et à mesure durant le 9e et le 10e siècle. Prenons le cas des deux plus importants interprètes du Coran que sont Tabari et Al-Barawi. Premièrement, Ibn Jarir al-Tabari. Regardez la distance de 3000 km qui le sépare de la région de la Mecque. Il a vécu au Tabaristan et il est apparu presque 3 siècles après Mahomet. Al-Barawi, il est originaire de la cité de Bahr, dans le nord du Khorasan. Aujourd'hui, c'est le Turkménistan. Après 5 siècles et de l'époque mahométane, et il est loin de 3800 km de la Mecque. Ces deux exégètes, que rien ne lie avec l'Arabie, sont apparus entre 3 et 5 siècles après l'apparition du Coran, en plein Moyen-Âge, pour nous laisser des exégèses du Coran que les musulmans adoptent aujourd'hui sans se poser aucune question quant à la logique historique et géographique. Les musulmans avalent ces textes comme vérité absolue sans jamais oser douter, mais surtout les musulmans de toute tendance ont adopté cette littérature et cette théologie sans remettre en question l'historicité de l'islam. Pourquoi le Coran est-il resté entre 3 et 5 siècles pour être interprété et par qui ? Par des Perses qui n'ont jamais connu l'Arabie. Où sont passés les scribes arabes de l'époque de Mahomet, qui habitaient Médine, ou le Yémen, ou la Jordanie par exemple ? Pourquoi n'y a-t-il eu aucun exégète qui est apparu durant la période qui a suivi immédiatement la mort de Mahomet ? Toutes ces questions ne se posent pas du tout dans les universités religieuses.
Aucun cheikh n'ose soulever ces interrogations, sous peine de se voir accusé de mise en doute de la foi par ses collègues et par la communauté religieuse. Quant aux fondateurs des hadiths du prophète, ils sont apparus successivement dans le même siècle, c'est-à-dire le 9e siècle généralement, dans la même région, c'est-à-dire le Khorasan, les six fameux rapporteurs de hadiths, les plus connus, en commençant par les deux plus fameux conteurs, Al-Bukhari et Muslim. Premièrement, Al-Bukhari, qui est un auteur donc, du fameux Sahih Al-Bukhari, l'authentique, des hadiths dont on ne possède aucune copie originale, ni une copie de la copie, ni une copie de la copie de la copie. Al-Bukhari est originaire de Bukhara, en Ouzbékistan. Loin de 4155 km de la Mecque, il a écrit ses hadiths 240 ans après Mahomet, imaginez. Deuxièmement, Muslim et perse aussi, et il est de la région de Nishapur, dans le nord de l'Iran, éloigné de 3300 km de la Mecque et pendant exactement la même période que Al-Bukhari. Troisièmement, l'imam At-Tirmidhi, Tirmidhi, originaire de Termez, dans l'Ouzbékistan actuel. Il est loin de 4330 km et il est apparu 260 ans après la mort de Mahomet. L'imam Abu Daoud est originaire de Sistan. C'est une région de l'Iran, au nord de l'Iran, qui se situe à 3641 km, apparu à la même période que les autres précédents. L'imam Ibn Majah, connu par ses Sunan Ibn Majah, est originaire de la cité de Qazwin, au bord de la mer Caspienne, à 2700 km loin de la Mecque et 254 années après la mort du prophète Mahomet. L'imam An-Nasa'i, originaire de la cité de Nisa, en Turkménistan actuel, l'ex-province du Khorasan, à 3500 km de la Mecque, et une différence de 280 années après la mort du prophète. Certains musulmans qui refusent toute recherche scientifique à propos de l'islam vous diront, même si des exégètes ont apparu entre 2 et 5 siècles après Mahomet, et qu'ils sont tous de culture persane et zoroastrienne, et originaires de contrées lointaines sans aucun lien historique culturel avec l'Arabie, cela ne veut pas dire que ce sont eux qui ont inventé l'islam. Étant donné que les légendes et les croyances zoroastriennes étaient présentes des siècles avant l'apparition des califes arabes, il est clair qu'une grande partie de ces croyances zoroastriennes ont été transmises à travers eux dans les textes islamiques. Prenons quelques exemples de plagiat faits par les exégètes perses que l'on retrouve en islam. Les noms de Dieu. Dans l'islam, il y a les 99 noms d'Allah. Dans le zoroastrisme, qui est antérieur à l'islam, il y a les 101 noms de Dieu. La prière. Les zoroastriens prient 5 fois par jour. L'islam a copié sur le nombre de prières par jour et les heures de prière, sur les ablutions. Les zoroastriens sont tenus de se laver le visage et les membres avant de prier. Les musulmans l'ont emprunté. Le paradis et l'enfer. Le judaïsme n'avait pas le concept de paradis et d'enfer. Ce n'est qu'après que le roi perse Cyprus et libérer les juifs de leur joug babylonien qu'ils ont commencé à absorber cette idée. Les chrétiens l'ont emprunté aux juifs et l'islam l'a emprunté aux premiers. Les anges, encore une fois, le judaïsme ne connaissait pas les anges ou les créatures similaires, ils l'ont également emprunté au zoroastrisme. Les chrétiens et les musulmans l'ont ensuite emprunté également. Le paradis, dans le Coran, le paradis est appelé Al-Firdaus. Ce mot vient du persan Pirdaus, mais les arabes n'ont pas le son de P. C'est pourquoi ils l'ont changé en F pour l'appeler Firdaus. Description de l'Apocalypse, le zoroastrisme décrit la fin du monde de la même manière que l'islam. Par exemple, une balance est présente qui pèse vos péchés ainsi que vos bonnes actions. Cette balance est présente à la fois dans l'islam et le zoroastrisme. Un autre exemple peut être trouvé dans le fait que les gens devront marcher sur une corde raide qui mène au paradis. Cependant, si vous tombez de la corde, vous tomberez dans les feux de l'enfer. Cette description zoroastrienne est presque identique au pont de corde islamique Sirat al-Mustaqim trouvé dans le Coran. Le voyage au paradis, l'histoire du voyage nocturne de Mahomet al-Isra wal-Mi'raj est basée sur le voyage nocturne d'Arta Viraf que nous allons voir tout de suite.
Voyant les similitudes entre le zoroastrisme et l'islam, la montée au ciel du sage zoroastre Artaviraf et du copier-coller a été fait pour Mahomet qui est monté au ciel et qu'on a appelé le Mi'raj. Donc il y a la montée au ciel sur des bêtes ailées accompagnées par des anges. Ils ont rencontré tous les deux des êtres célestes, ils ont été accueillis dans les ciels. Ils ont rencontré des prophètes. Artaviraf a rencontré le dieu Ahura Mazda et Mahomet a rencontré Allah. Ils ont découvert l'enfer du côté d'Artaviraf comme du côté de Mahomet. Et ils ont tous les deux reçu l'ordre de leur dieu d'ordonner 5 prières par jour. Vous voyez la similitude vraiment flagrante entre les deux croyances et le plagiat fait par les exégètes musulmans sur le zoroastrisme qui était bien antérieur à l'islam.